Bonjour, frère Maxime, comment vous allez? C'est JFL, Cuisine Créole, Jean-Fé Dolendi, votre chef à la maison qui rentre la caille. Je dis nous merci pour confiance, nous, merci pour fidélité nous et merci pour bouche à l'oreille que nous fait pour chaîne YouTube. Là. Montez dans le démarrage de l'entreprise ensemble avec nous. Je fais un premier coup déjà qui m'a donné 5 coups. Oubliez dans la première partie de faire, je parle de nous des compétences, expérience et connaissances. Je dis nous, il faut nous faire une façon pour nous écrire ou rentrer trois bagages dans le plan d'affaires. Le plan d'affaires, c'est une chose et fiche technique, c'est autre chose. Fiche technique, là, c'est les mêmes qui parlent de bâti, cadre financier, plan d'affaires pour faire histoire. Pour moi faire fiche technique là pour nous, ça à nous considérer son assiette liée. Moi j'ai 5 parties de ce côté-là, moi l'âme de gagner 8 9 10. Dans 5 parties ça, ben monter nous pour qui ça là. Nous mettons ingrédients ING. Et puis là nous mettons qui QT pour quantité, nous mettons ici unité, c'est UN qui unité, OK? Mais m'a écrit le complet. Et puis là nous mettons prix unitaire. Prix unitaire. Et puis là nous mettons total. Ingrédients, quantité, unité, prix unitaire total, qui ça veut dire? En nous prenant un exemple simple, nous-mêmes dans le pays, nous mangeons, nous, souvent nous utilisons la cuisse de poulet. Une cuisse de poulet, nous prenons des chiffres exacts, quelques chiffres fixes, mais nous-mêmes dans le pays côté nous, nous prenons prix pour nous évaluer. Ok? En nous prenant cuisse de poulet, CP, qui égale cuisse de poulet. En nous prenant quantité, toujours pas, 1 kilo. Combien? Normalement, dans une assiette, vous mettez seulement une cuisse de poulet. Bah, pas les petits pilons de poulet là. Nous-mêmes, sur ma chaîne YouTube là, nous connaissons qui ça que une cuisse de poulet. Une cuisse de poulet, c'est petit pilon plus tête là. Ça nous est blagué dans le pays noir. Oubliez ça. On nous dit un kilo, il y a 3 là-dedans. Dans l'assiette là, c'est une cap là-dedans. Donc ça veut dire c'est une. 6 kilos avant $12, il y a 3 unités là-dedans. Nous prenons une graine là-dedans, la graine là vient égale à $4. Parce que 3 fois 4, 12, parce que kilo à $12. On a une unité à ces $4, une graine dans le couteau. Donc total, c'est $4. Après ça, on nous prend un condiment, ça nous mettez là-dedans. On nous prend un exemple, nous prenons un bon petit maïs moulin, nous mettez là-dedans. Là, je parle de bons maïs moulin que nous sommes capables de faire une recette déjà comme ça, tantôt, je montre nous. Ou bien du riz. On nous prend maïs, à nous dire, maïs. Toujours un kilo. Dans une assiette, normalement, ou supposé mettre entre 90 à 110 grammes de condiments. Dans le cas nous-mêmes, on nous mettait 90 grammes. 90 grammes. Si un kilo de maïs moulin vend, mettons $4, ce n'est pas prix à vraiment là. Moi, je n'ai pas un prix comme ça. Là, nous prenons 90 grammes dans un kilo, nous allons même prendre 1% là-dedans. Parce que c'est 1000 grammes qui baillent 1 kilo. Donc, nous prenons seulement 90 grammes là-dedans, nous restons 910 grammes. Nous allons même prendre 1%. Donc, ceci, 90 grammes, non, à peine si la coûte 0,25. On nous dit 0,25. On met dans le total là aussi 0,20. Normalement, dans l'assiette là, qui sont bien pour mettre là-dedans encore, ou bien pour mettre légumes là-dedans. Je ne parle pas de légumes ici, je ne parle pas de légumes nous crasés et berigeons ensemble. Je parle de carottes, brocoli, avocats, asperges, chargés légumes nous capables de mettre. On nous fait, on nous prend quelques légumes. Nous mettons carottes ici, brocoli, nous allons mettre brocoli, et puis nous disons avocat. Là maintenant, trois petits légumes, on a toujours mis, toujours par kilo. Ici, avocat, nous mettons en unité. UN, c'est ça l'unité. On nous dit un kilo de carotte coûte $2. Si un kilo de carotte coûte $2, il est capable de gagner 6 ou 7 là-dedans. On prend une belle petite carotte pour mettre là-dedans. On met, mettons, si il gagne 6 ou 7 là-dedans, on met une unité. Et puis, combien quoi vous pensez le cahier? Si il gagne 7 ou 8 carottes qui coûte, mettons, $1,25, $1,30, et bien, une unité, on va mettre pour. Pour 0,35. Ça, nous-mêmes, un 0,35 cent. Pas oublier tout prix ça, nous-mêmes, nous allons gagner fixe la caille. Brocoli aussi, c'est la même chose. Un kilo, lui-même, c'est pas une unité à Bali. Ou bien, c'est juste une tête.
qui gagne un couteau $2.29. Si le couteau $2.29, ou à peine divisé, ben si son métier, on met une portion là-dedans, on met une portion, on dit qu'il gagne un couteau 0.20. Avocat, lui-même, tout acheter un grain pour $1, ou divisé, ou gagne un 6 portions avec elle, ben à peine si le couteau aussi, ça lui-même, on met une portion aussi. $0.20 aussi. Qu'on a pour assiette la complète, il manque pour assiette la complète là, il manque deux petits bagages. Il manque sauce. Normalement, ça que nous devons connaître, l'un une assiette, une sauce, li égal, c'est 0.35 ou utiliser pour sauce. Ça c'est conventionnellement. Allez, c'est ça en restauration, ils décidé pour ça, 0.35. Pas oublier dans chaque pays où il y a converti, qu'on a fait addition de tout ça. Ça c'est 0.35, 0.20, 0.20, 0.35. Qu'on a là, nous fait addition tout ça, qu'on a qui va le prix total. Donc, prix total là égale $4.30. Assiette moyen, l'écoute, $4.30. Qu'on y a là, plus que assiette la couteau $4.30, là, contrôler, ça c'est une assiette liée. Mais exemple là devant nous, mais assiette maïmoné a montré nous là, c'est maïmoné à nous qui j'en bien fait. Moi-même, moi t'ai fait là avec un petit champignon, moi pas entrer champignon là-dedans, mais si vous voulez entrer champignon là-dedans, ou à champignon c'est un kilo là, puis tout, ou à prendre champignon, mais champignon nous allons mettre maïmoné, ok, ou à prendre champignon ça. Dans la même colonne en bas, on met un prix pour lui. Ça veut dire on va prendre combien de kilos à couteau et puis qu'on a ou même on met 10 petites portions là-dedans, là tout inclus dans la maïmoné. Exemple, on est pour que maïmoné le couteau prix à couteau $0.20, la couteau mettons $0.50 parce que champignon très cher, ok? Et puis qu'on a donné à changer. Lorsqu'il dit donner tout, ici c'est prix total là, d'accord? Bon, qu'on a là, nous finissons tout assiette là au complet devant nous. Qu'on a qui ça yo di nou en restauration yo di nou lorsqu'on va faire un restaurant lorsqu'on font menu ou font on fin jouen, ça les prix de revient ça c'est les mêmes qui les coûter dans vrai mais pas oublier si assiette ça fait là si fiche technique ça ça va ou va payer tout frais fixe ou yo ça frais fixe ça les mêmes les rentrer dans plan d'affaires ça pas les rapport avec restauration là. Ça lui rentre dans le plan d'affaires, on va le faire pour montrer mon yo. Mais fiche technique là, là c'est parfait. Prix de revue, on divise nous $4.30. Mais quand on bagaille, on va prendre nous la restauration. Lorsqu'on va faire, on fait une fiche technique. Résultat pour revient, on suppose commencer à partir de 3,5 jusqu'à 5. Ok? Ça va dépendre du milieu côtoyer. Ça veut dire là, normalement, on t'a supposé multiplier ça lui-même par 3,5. Si vous multipliez ça par 3,5, la vin censé bon $13.50. Si vous mettez par 4, c'est quasiment $17 combien à 7 ça devant. Qu'on a là, nous finissons comme ça créer une fiche technique. C'est multiplié par 3,5. C'est ça la fiche technique. Prix revient là, ou multiplié par 3,5 ou bien 4. Qu'on a qui pour un total. Et voilà, c'est ça qui est une fiche technique. À partir d'être là, ou pas qu'à faire faillite. Pas oublier qu'on y a là, une fois qu'on a ça, qu'on a là, on continue à voir. Mais toute fiche technique, c'est comme ça, ça marche. Ok? Et même bagaille à toi, fait pour décès, c'est même bagaille ça, fait pour rentrer. Et comme on fait pour la principale, là pour, c'est comme ça. Mais pas oublier une chose. Ça là, c'est les mêmes qui va le faire payer. Ni Kaila, ni employé, c'est fini la fiche technique là. Assiette tout, c'est ça lié. Je souhaite que nous satisfaits et nous comprenons ça. C'était JFL Cuisine Créole, Jean-Fédolin, votre chef à la maison qui traite la caille. Merci, au revoir.